Donc l'association Al-Sir est née après les attentats de Charlie Hebdo, il y a environ un an et demi, pour faire face à la montée de l'islamophobie en France. Donc Al-Sir est une jeune association, et depuis le mois de janvier 2015, on a vu une surenchère de l'islamophobie en France. Dans l'indifférence générale au mieux, ou dans une participation active de nos amis les politiques et de certains médias. La parole islamophobe s'est libérée. Elle s'est libérée à tous les niveaux de la société, souvent pas reconnue en tant que telle, ou déniée, des fois par des personnes qui se disent même antiracistes. Donc face à ça, nous on a décidé, association de quartier, de se mobiliser. Notre association, elle regroupe des hommes et des femmes de tout horizon confondu, que ce soit des musulmans ou pas, des chrétiens, des juifs, voilà, on est mélangés. On se veut être, on est implanté dans le 20e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et on se veut être un lieu d'échange et d'action locale. Les actions menées cette année sont très nombreuses. On a organisé 2 débats publics, le premier sur le thème de la laïcité qui nous a fait connaître dans le quartier, et le second sur l'état d'urgence, étant donné que c'était à cette époque-là très en vogue. Donc on a également organisé une exposition de femmes musulmanes que vous pouvez découvrir tout au long de la soirée, qui est dans le rôle d'exposition. Donc les femmes musulmanes, on a voulu les mettre à l'honneur, parce qu'on ne les entend pas souvent, voire jamais. Et donc on a décidé de leur donner la parole à travers un projet artistique, donc sur leur portrait. Elles racontent un moment de leur vie, donc ce n'est pas forcément sur l'islamophobie, mais ça peut être sur un autre sujet. On a également fait une pétition pour les cantines scolaires qu'on va remettre à la maire de notre arrondissement. Et sur cette pétition, on demande en fait à ce qu'on ne force pas les enfants à manger de la viande quand les parents n'en ont pas souhaité ou qu'on n'en mette pas en tout cas dans leurs assiettes pour les enfants qui sont scolarisés en maternelle. On a également quelques projets autour des jeunes du quartier. On organise également chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, un repas collectif avec les voisins, les habitants, les associations, tous ceux qui veulent, ils sont les bienvenus, partagent un peu de convivialité et de vivre ensemble. On a également soutenu plusieurs manifestations, que ce soit pour les migrants ou des manifestations avec l'association Quartier Libre qui a fait un événement en solidarité avec la Palestine. On soutient la campagne Légitime Défense, pardon, avec Rokhaya Diallo et Sylvie Tissot. Voilà, on soutient encore beaucoup d'autres causes, même si on ne peut pas participer à toutes. Et pour terminer sur la présentation de l'association, j'ai envie de vous dire que nous, Association de Quartier, on fait un focus sur l'islamophobie, parce que ça nous semble pour le moment être très important, mais on lutte et on soutient aussi pour toutes les autres luttes antiracistes, que ce soit la négrophobie, la homophobie, l'antisémitisme. Donc toutes les luttes sont importantes et on appelle vraiment à une convergence des luttes, parce qu'on est plus fort quand on est tous ensemble. Donc je vais vous laisser avec Malika qui va vous présenter l'appel. Voilà. Bonsoir. Donc comme Lamia vous disait, on a une implantation locale dans le 20e. Et on réagit à chaque événement qui nous semble important dans le 20e arrondissement. Et il y a un événement qui nous a préoccupé cette année, c'est le 20 mars dernier, le premier rassemblement du printemps républicain qui a eu lieu à la Bellevilloise dans le 20e. Et qui ont, l'une des organisatrices était la maire du 20e, Frédéric Calandra. Donc, dans leur manifeste, signé par des personnalités de gauche, le printemps républicain propose de défendre la laïcité et la République attaquée, et de permettre un débat ouvert avec la société civile. Et en fait, ce à quoi on a assisté le 20 mars dernier, c'était un rassemblement de personnalités médiatiques et politiques qui ont su relayer leur événement dans les médias, largement. Et surtout, on a vu à ce moment-là, dans ce rassemblement, l'affirmation de préjugés sur les musulmans et sur l'islam. En fait, on a eu le sentiment qu'en creuse, que le printemps républicain, qui, je répète, se dit être un mouvement, un collectif de personnalités de gauche, ce qu'il propose en creux, c'est une vision d'une société excluante et repliée sur elle-même,
Et dont le projet politique est presque exclusivement préoccupé des musulmans et pas des réelles questions de notre société qui sont les inégalités, le chômage ou les discriminations de toutes sortes. Et il nous a semblé que ce collectif de personnalités de gauche disait à leur façon, affiché, qu'on pouvait être islamophobe. D'ailleurs, ce soir-là, lors de cette premier rassemblement, la maire du socialiste du 20e a déclaré, alors je prends mes notes pour être sûre de bien dire la phrase et pas me tromper, hein, « N'ayez pas peur du mot islamophobe, car c'est nous le rempart contre les extrémistes. » Donc à l'époque, on était assez préoccupés, mais on n'a pas pu réagir à temps, parce qu'on a su assez tard, en fait, ce rassemblement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte dans sur leur site qu'ils avaient prévu de continuer leur bataille idéologique et surtout d'interpeller pendant la campagne présidentielle les candidats et d'interpeller, de peser sur le débat public pendant les présidentielles autour de sujets qui leur est cher, c'est-à-dire la défense et la promotion des valeurs républicaines. Donc à ce moment-là, on n'avait pas pu réagir et on a su qu'ils devaient se réunir pour une deuxième fois le 21 septembre, donc aujourd'hui. Et donc ils se réunissent effectivement ce soir à l'École nationale supérieure. Donc on s'est dit au niveau de l'association qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on a décidé de lancer cet appel, l'appel que vous avez dû avoir entre les mains, donc pour un printemps de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'était à la fois une façon de dénoncer cette vision, on va dire, autoritaire et excluante de la société, hein, mais surtout, c'était la possibilité de faire entendre d'autres voix et de ne pas leur laisser le terrain libre. Et d'où l'idée de ce meeting ce soir, en fait. Alors, au-delà du printemps républicain, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment de quoi s'inquiéter ces derniers mois. C'est-à-dire, malheureusement, tout ce qui s'est passé ces derniers mois nous ont donné raison. C'est-à-dire l'état d'urgence, les arrêtés anti-Burkini, les déclarations de la ministre Laurence Rossignol, la nomination de Jean-Pierre Chevènement à la Fondation d'Islam qui demande aux musulmans d'être discrets dans la sphère publique. Tout cela nous montre finalement que l'islamophobie monte d'un cran encore et dans la sphère politique, et cela en toute impunité. Donc aujourd'hui, on essaye ensemble d'en faire entendre d'autres voix et de se mobiliser, en fait. On a envie de pouvoir à la fois s'adresser aux femmes musulmanes, qui sont quand même sacrément attaquées ces derniers temps, pour dire qu'on se mobilisera et qu'on ne laissera pas l'islamophobie grandissante être l'enjeu, et que la question des musulmans être l'enjeu des prochains débats, que ce soit pour la présidentielle ou pour les législatives. Et aussi, on veut interpeller la gauche pour qu'elle puisse répondre et se positionner clairement face aux déclarations et aux projets à la fois du printemps républicain, mais aussi du Premier ministre et de tout candidat qui aurait la tentation de pouvoir utiliser les musulmans comme dans le débat public. Donc je voulais pour finir, parce que ça me semblait important, vous donner une déclaration de Manuel Valls qui date d'avril 2016. Donc voilà, c'est quoi aujourd'hui les priorités de cette société? Bien sûr, l'économie, le chômage, mais qu'est-ce qui est essentiel? C'est la bataille culturelle, c'est la bataille identitaire. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, le reste ne comptera pas, le reste sera balayé. Et en fait, nous, on n'a pas envie d'un sursaut identitaire, mais d'un sursaut démocratique dans les prochains mois. Voilà. Donc c'était ça l'idée de l'appel et de ce meeting de ce soir.